D'habitude lieu de prière, l'église Saint-Bonaventure se transforme jusqu'à dimanche en grand forum où personnalités du monde politique, économique et religieux vont se succéder pour débattre. Débattre dans le cadre des états généraux du christianisme organisés pour la première fois à Lyon. Moi, j'ai pas peur des débats polémiques. J'ai organisé dans le passé des débats sur l'euthanasie, par exemple. J'ai organisé des débats sur la liturgie dans le monde catholique. C'est un sujet explosif. Cette année, après le mariage pour tous, il y aura sans doute de vifs échanges. C'est très bien comme ça. Qui veut le pouvoir? C'est le thème principal de ces états généraux, particulièrement attendu. Cécile Duflot, ministre déléguée au logement. Pourquoi avoir accepté l'invitation à ces états généraux? Parce que c'est un plaisir de débattre, voilà, toujours, et puis que le sujet est intéressant. Et Delphine Bateau, ancienne ministre, évincée justement du pouvoir par François Hollande. Et je pense qu'on a besoin aujourd'hui de davantage d'idéal dans l'action quotidienne. C'est ce que j'ai pu ressentir comme membre du gouvernement et ça reste le sens de mon combat. Les débats se poursuivront demain dans une dizaine de lieux de culte de la presqu'île. L'entrée est gratuite à condition de s'inscrire le matin à l'église Saint-Bonaventure.